T'es sûre de toi? J'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle relation si je sais que dès le départ, ça va être compliqué. T'es sérieux? Ça y est, tu l'as déjà remplacé. Mais attends, c'est l'autre qui m'a acheté comme une vieille chaussette, hein, parce que je partais en formation. Figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un. C'est qui? Il s'appelle Hakim et il est flic à Montpellier. Je suis content pour toi. Tu avais l'air un peu contrarié, non? Non, non, c'est juste un truc qui a du mal à passer. Louin est assassiné. Dis-moi que c'est pas toi. Je viens de mettre à disposition de la justice pour être entendu. Si t'arrive quelque chose... Non, je vais te sortir de là. Elle veut faire sortir Cross de tôle et ça, c'est pas bon pour nous. Alors je m'occuperai moi-même de régler le problème. Rona ! On n'a plus de doute sur les préméditations. Et sur la volonté de faire porter le chapeau à Cross. C'est le mec que tu cherches, tu crois ? Son visage me dit quelque chose. T'es déjà là, toi? Oui. Ah, je pensais être le premier. C'est parce que j'ai pas bougé, en fait. T'as passé la nuit à ton bureau? Voilà. Ah oui. D'accord. C'est qui, ce mec? C'est probablement celui qui a agressé Jonah Lemaire l'autre soir. Mais c'est surtout un visage que je connais, et ça me saoule. Alex, tu t'es tapé toutes les gueules, là, une par une, là? Oui. Pourquoi t'as pas utilisé la reconnaissance faciale? Oh, mais quel con, dis donc. Bah. Reconnaissance faciale? Bah oui, évidemment. C'est moi qui t'ai dit comment faire, la reconnaissance bien faciale. Sûr, tu m'as tout appris. Oui, je t'ai tout appris là-dessus. La photo est dégueulasse, je suis obligé de le faire à l'ancienne, pardon. T'énerve pas, regarde, ça fait la une des journaux aujourd'hui, midi libre. Il va falloir se dépêcher un petit peu, sinon le proc, il va nous taper dessus, là. Bah oui. Je l'ai vu. Voilà, regarde. C'est le même. On l'a trouvé. C'est lui. Le mec, là. Mais oui, regarde. Putain, ça y est, je t'ai trouvé, toi. Vous connaissez Nathan Lavergne? Non. Pourquoi? C'est peut-être lui qui vous a agressé l'autre soir. Non, j'avais entendu parler, mais c'est qui? C'est le président d'une association humanitaire qui s'occupe d'éducation en Afrique. Et c'est quoi le rapport avec moi? Il avait un lien avec Louan, c'est ça? Ah bah j'en sais rien pour l'instant, mais on va le toper chez lui, là. Ok. Vous me tenez au courant? Ouais, bien sûr. Bonjour. Merci. Comment tu vas? Ça va. T'as pu dormir un peu? Oui, j'ai dormi chez Sabine. Prends soin de moi. Tu sais que tu peux aussi venir à la maison? Oui, je sais. T'inquiète pas, ça va. Et où en est l'enquête? T'as des nouvelles? Ça avance. J'espère qu'ils vont vite arrêter le coupable. Et moi, j'espère qu'ils vont enfin innocenter Yann. Mais bon, j'ai bon espoir. Je te le souhaite aussi. Bon, toi, comment ça va? Moi? Bah, tout va bien, je te remercie. T'es sûr? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, je te sens soucieux en ce moment.
Ah bon? Non. J'ai beaucoup de travail comme dame, mais c'est tout. Joanna, je viens de recevoir le rapport de l'expert dans l'affaire Chassard. Enfin, vous pouvez appeler un coursier et envoyer ça en urgence au commissariat? Ouais. Ou alors je peux le déposer en main propre. Ça ira plus vite. Vous êtes sûre? Ouais. J'ai un rendez-vous dans le coin, donc ça me dérange pas du tout. Ok. Merci. À plus tard. Flex! Et voilà. Ah, merci. J'ai reçu mon affectation pour le NSP. Cool! Putain, ils sont hyper précis. J'ai toute la liste des choses que je dois ramener, j'ai même mon numéro de chambre. Vas-y, c'est une chambre de combien? C'est pas des chambres individuelles? Si, pardon, excuse-moi. Non, mais bien sûr, c'est des chambres indives avec terrasse privative, petit déjeuner au lit et tout, bien sûr. Ok, très bon. Et plus sérieusement, c'est des chambres de combien? Plus sérieusement, t'auras de la chance si t'as une chambre à deux. Normalement, c'est des dortoirs de 8. Ah oui, 8. Eh ben, j'espère pas. Bah, sinon, t'as qu'à prendre un appart avec ta nouvelle meuf. T'es con, hein. Quoi? Bah, c'est elle qui t'a dit qu'elle était capable de te suivre jusqu'à Canécluse, donc... Mais non, elle a pas dit ça comme ça, en plus. Ouais, enfin, c'est ce que ça voulait dire. Mais pas du tout. En plus, là, tu sors la conversation de son contexte. Non, on vit un truc hyper léger, on vient de se rencontrer. C'est un mood tranquille, on se prend pas la tête. C'est hyper léger pour toi, peut-être, mais pour elle... Quoi, pour elle? Ben, vu l'allusion qu'elle t'a faite, c'est un putain d'appel du pied, quand même. Mais non. Non, pas du tout. Non. Elle a quel âge, déjà? 40. Voilà. Et c'est quoi, le rapport? Le rapport, c'est que quand t'as 40 ans, que t'es célibataire et que tu rencontres un mec qui te plaît, t'as pas envie que ce soit léger, en fait. T'as envie de plus, tu fonces. Ok, ouais, vous en êtes pas au même point, hein. Moi, si j'étais toi, juste, je mettrais les choses au clair avec elle. Histoire qu'elle se fasse pas de faux espoirs, c'est tout. C'est Margot. Elle a disparu. Elle est partie il y a un quart d'heure. Où? Mais au commissariat, déposer un document. C'est pas vrai. J'ai besoin d'aller en urgence pour rédiger un acte. Tous les prétextes sont bons. Les prétextes? Comment ça? Pour courir voir son Hakim. Hakim? C'est qui? Un flic dont elle s'est amourachée et dès qu'elle peut, elle se précipite au commissariat. Ah oui. C'est lourd. C'est ici dont on a besoin d'elle. Parfois, je me demande à quoi on la paie. Bien sûr. Je suis garé juste là. J'arrive. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je suis bien obligée de venir ici, tu réponds pas à mes messages. Parce que je sais pas quoi te répondre. Ben, par exemple, ça va, et toi, comment tu vas, ce genre de truc. Attends, Margot, je peux savoir à quoi tu joues là? Mais je joue pas, je dis juste qu'on pourrait se donner des nouvelles. Mais tu m'attèges. Je t'ai pas tège, Hakim. Mais tu m'as fait comprendre que c'était mort entre nous. Oui, mais je veux dire, c'est pas... Mais quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu me relances? Mais je sais pas, je te relance pas, je dis juste qu'on peut rester amis. Mais non, on va pas rester amis, non. Ça m'a fait mal, ce que t'as fait. Oh, Hakim, tu te mindes, s'il te plaît? J'arrive. Attends, Hakim. Hakim, t'abuses. C'est pas parce qu'il peut rien se passer entre nous qu'on est obligé de couper les ponts. Si. On sait tout ou rien. Vous faisiez quoi mardi soir? Vous m'avez déjà posé la question. Eh ben, je vous la repose. Vous étiez où? Je vous l'ai déjà dit, j'ai dîné chez un ami. Très bien, vous arrivez à quelle heure? Je sais pas. Vers 20h, vous pouvez l'appeler pour vérifier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait qu'au même moment, on vous retrouve à proximité du domicile de Mademoiselle Lemeur? Pardon?
Alors, voilà. Ça, c'est une image issue de la vidéosurveillance du quartier de la victime, hein, prise 5 minutes après l'agression. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez, s'il vous plaît. C'est pas vous, ça? C'est pas moi. D'accord. Visiblement, vous vous rasez. Donc vous vous regardez dans un miroir, vous savez à peu près la tête que vous avez. On est d'accord que c'est la même. Il y a une vague ressemblance, mais c'est pas moi. Vous voulez pas avouer, ce sera plus simple. Avouer quoi? Je vais pas avouer un truc que j'ai pas fait. Vous jouez à quoi? On va retrouver votre ADN dans l'appartement de la victime. Sur l'arme que vous avez laissée sur place, ça sert à rien. Une arme? Mais quelle arme? D'accord. Vous voulez jouer au con? Très bien. On va tout reprendre depuis le début. Ça a l'air d'aller mieux, ça fait plaisir à voir. C'est gentil. Moi, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Ah, laquelle? Alors, apparemment, ce matin, la police a interpellé un homme suspecté d'être à l'origine de ma tentative d'assassinat. Ah, bah, tu dois être soulagée, là. Bon, c'est pas encore dit que ce soit lui, mais ça me rassure, ça veut dire que l'enquête avance. Bon. En tout cas, maintenant, ce qui compte, c'est de disculper Yann. Comment tu comptes t'y prendre? Eh bien, en prouvant que l'arme qui a été retrouvée chez moi est la même que celle qui a servi à tuer Louan. C'est le seul moyen pour que le juge Laplace reconnaisse l'innocence de Yann. Donc tu veux faire une demande de mise en liberté? Dès que les éléments sont confirmés, ouais. Enfin, s'ils sont confirmés, mais j'ai bon espoir. Moi, je te le souhaite, vraiment. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe. C'est quoi le lien avec Louan et le mobile de son meurtrier, c'est quoi? Je t'avoue que je comprends pas non plus ce lien entre Louan, moi, et ce gars qui apparemment travaille dans une association humanitaire. Écoute, on verra bien. Merci d'être venu. C'est normal. Je connaissais pas depuis très longtemps, mais je l'appréciais beaucoup. Tous les collègues de l'hôpital sont tout cœur avec vous. C'est gentil. J'ai vu qu'ils avaient tous participé à la cagnotte. Ça m'a beaucoup touchée. Vous les remercierez de ma part? Je leur transmettrai. Et merci, Maître, de m'avoir aidée pour les formalités concernant la dispersion des cendres. Je vous en prie, c'est normal. Très joli ici. Oui. Pierre aimait beaucoup cet endroit. Il me l'a fait découvrir quelque temps avant sa mort. Il était venu se promener. Ça va aller? Ouais. On commence? Margot? Oui? Ça vous embêtera de rester un petit peu plus tard ce soir? Je suis sur un dossier que je dois absolument boucler pour demain et j'aurai besoin de votre aide. D'accord. Ça vous dérange pas, vraiment? Non. Vous pouvez me le dire, hein, je vous prends un peu au dépourvu, là. Non, vous inquiétez pas. Je peux rester sans problème. Ça porte sur quoi? Un litige autour d'un brevet de pompe à chaleur entre deux entreprises françaises et allemandes. C'est pas très passionnant, je vous l'accorde. Je peux vous aider si vous voulez, hein? Je vous remercie, Claudine, mais vous m'avez déjà remplacé au pied levé la semaine dernière pour un rendez-vous. Ça ne me dérange pas. C'est gentil, mais vous avez déjà beaucoup de travail et je devrais m'en sortir avec Margot. D'accord. On y va? Thank you.
pour votre présence à tous les deux. Je suis sûre que Pierre aurait été très touché de vous savoir ici. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça va ? C'était dur, mais c'était beau, non ? Merci, petit frère. Heureusement que t'es là. Je te ramène chez mamie. Bah toi, tu vas faire quoi? Moi, je rentre chez moi, je vais me coucher direct. Non, je te laisse pas toute seule. Mais non, t'inquiète. T'as autre chose à faire que t'occuper de ta grande sœur, quand même. C'est quoi, j'ai une idée. Ce soir, c'est pâte. Comme quand on était petit. Pâte aux gruyères. Au témoin un film. Des coquillettes, alors. Pourquoi vous avez séquestré Madame Lemeur ? Qui ? Vous avez voulu maquiller un meurtre en suicide, c'était quoi le but ? Je dirai plus rien. Je veux un avocat. Je peux parler deux minutes ? Ouais. Bon, Amélie, tu peux t'en occuper, s'il te plaît ? Alors ? Oh, bah, il dit rien, il m'épuise. Il va pas tarder à craquer. Non, c'est un coriace, lui. Il faut des preuves, hein, sinon ça va pas marcher. Bah, justement, on avance. Pourquoi ? T'as les résultats des prélèvements ADN ? Non, pas encore, mais j'ai les résultats de la balistique. Ça donne quoi ? L'arme retrouvée chez Johanna Lemeur est la même qui a été utilisée pour tuer Pierre Louin. D'accord. Vous avez trouvé quelque chose ? Oui, j'ai trouvé un cas de jurisprudence qui pourrait vous intéresser. Ben, allez-y. Alors, l'employeur peut céder à un tiers le droit au brevet sur une invention de mission. La Cour de cassation clarifie sa jurisprudence. Je vous l'envoie. Merci. Par un arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a clarifié ce principe car une ambiguïté résultait d'un arrêt qu'elle avait rendu en 2018 dans la même affaire. Vous avez oublié la pièce jointe ? Ah, oui, pardon. Décidément. Voilà, je vous l'ai renvoyé. C'est bon, vous l'avez ? C'est bon. Désolé. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Vous êtes préoccupé ? Oui, un peu, oui. C'est à cause d'Hakim, votre policier ? Comment vous savez ? À votre avis ? Claudine ? Vous connaissez sa discrétion légendaire ? Enfin, pardon, je suis indiscret. Non, non, c'est pas grave. Mais oui, c'est vrai que ma vie sentimentale est un peu compliquée en ce moment. Ça vous dit qu'on fasse une pause, là ? Je vais commander à dîner. Ça vous va ? Ouais. Sushi ? Sushi. Mais moi aussi, j'ai fait de la plongée. C'est pas vrai ? T'en fais souvent ? Bah, ça m'arrive, ouais. Et toi, t'en fais depuis longtemps ? Bah, une dizaine d'années. J'ai commencé par hasard en suivant une copine et puis je me suis prise au jeu. Maintenant, j'adore ça. Ouais, tu dois être balèze, en fait. Je me défends. Et c'est quoi le plus beau site que t'aies visité ? Oula, il y en a tellement. Puis ça dépend des niveaux, mais... Ah si, il y en a un que j'adore, c'est la réserve sous-marine de Cerber Bagnols. Le site est protégé, c'est magique. Cerber Bagnols, je connais pas. T'as jamais fait Bagnols ? Non, je crois pas. Ah bah, faut qu'on fasse ça, alors. Bah ouais, pourquoi pas ? Tu fais quoi ce week-end ? Quoi, tu veux faire ça ce week-end ? Je sais pas, t'as quelque chose de prévu ? Non. Eh ben alors, c'est parti. En plus, je connais un camping super sympa là-bas. Ça te dit ? Ok. T'as l'air bizarre, c'est le fait de partir à l'improviste qui t'inquiète ? C'est quoi la procédure habituelle ? Il y a un formulaire à remplir, c'est ça ? N'importe quoi. Bah alors, détends-toi, ça va être super cool. J'ai failli me marier à 23 ans. À 23 ans ? C'est super jeune. Ouais.
Ma première grande histoire d'amour. Et vous êtes pas marié finalement? Non. Pourquoi? Bah parce que j'étais idiot. Je voulais construire ma vie de façon rationnelle. D'abord le barreau et les projets de famille plus tard. Ouais, bah ça peut se comprendre. La vérité, c'est que j'étais mort de trouille. Comment ça? Ben, j'avais peur de m'engager. Résultat, elle a fini par se lasser. Elle m'a quitté et elle s'est mariée avec un autre homme. C'est triste. Ouais. Quand on a la chance de rencontrer l'amour, faut pas le laisser s'échapper. Sous aucun prétexte. Alors, Lavergne, il a avoué? Non, rien du tout. Il a rien lâché. Toi, t'as trouvé quoi? Je suis en train d'éplucher les comptes de son association. Très bien, ça donne quoi? Bah, pour une asso qui est censée distribuer des manuels scolaires en Centrafrique, ils ont un putain de budget. Combien? 6 millions. Ah ouais, quand même. Et avec un budget pareil, tu pourrais ouvrir de nouvelles écoles partout en Afrique subsaharienne. Oui, largement, oui. C'est louche, ça vient d'où ce fric? Principalement de l'acte d'héritage. D'accord. Tous fournis par le même notaire. C'est quoi le nom du notaire? Maître Daumier. Putain. C'est lui qui a rencontré Joanna. C'est ça le lien avec Pierre Louin. Il te plaît vraiment? Ouais. Bah alors fonce, puis arrête de prendre la tête. Je vais faire un miracle. Comme à Lourdes. Je pars en week-end. Avec ton policier? Oui. Ça va? C'est bon, ça? C'est bon, j'arrive tout de suite.